recording. Salut tout le monde, là je teste une petite fonctionnalité du A-Téléopilote, qui est une application tiers qui permet de faire du face tracking. Alors là, il aurait fallu que je clique sur mon visage, voilà. Et donc là, normalement, il devrait me suivre. Et c'est le cas. Jusqu'à maintenant, il faisait du face tracking en mode en mode un peu égyptien, sur un seul axe, sur un seul plan. Et depuis peu, un peu de mal, il y a du vent hein, aujourd'hui. Attendez, il y a une voiture qui arrive. Hop. Une voiture qui arrive, qui s'affole. Wow. Et donc, est-ce qu'il va me reprendre là? Non, il me reprend pas, faut que je le ramène. Il y a une autre voiture qui arrive. Et je disais, je sais plus, mais elle est concentrée. Je disais donc, voilà, il m'a retrouvé. Jusqu'à maintenant, c'était qu'en mode égyptien. Mais depuis la dernière mise à jour, eh ben, on peut le fixer et le télo va essayer de suivre en rotation. En plus, comme vous l'entendez, le son est enregistré depuis le téléphone. Alors, ce n'empêche pas que j'imagine que vous entendez un petit peu les bruits des moteurs. C'est juste un peu pénible, ça, toujours. Voilà, regarde-moi, voilà. Ah bah ça marche pas mal, si je le regarde sans lâcher des yeux, sans regarder mon téléphone. Et donc en plus on peut commenter, je vais essayer de pas aller dans le... Hop là! Dans le contre-jour, parce que avec les lunettes et la casquette, là s'il arrive à me reconnaître, c'est chouette, mais il y a contre-jour j'imagine qu'il va peiner. Bon, il y a un peu de vent, malgré tout il lutte, malgré tout ça marche, enfin, je recule, il me suit, en fait il essaye de garder mon visage aussi bien que possible. Voilà, bah, c'était rigolo, moi ça m'amuse beaucoup. Il n'y a pas de voiture, ça va, allez on arrête ça.